Et bonsoir, 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 ouais ça c'est bon. Hop, bonsoir à tous, bienvenue sur ce nouveau stream du dimanche soir sur Minecraft. Et ce soir, bah, du coup, on va continuer l'aventure hardcore sur Minecraft. On va essayer de ne pas mourir et il y a des petits changements puisque j'ai installé, je me suis amusé à installer des petits shaders. Sur le jeu pour que le rendu soit plus esthétique et plus agréable à regarder. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ou dans le chat ce que vous en pensez. Mais moi, je trouve ça plutôt classe. Ça donne un autre style au jeu et franchement, ça, c'est plutôt cool. Ce soir, je sais pas trop combien de temps on va jouer. On va continuer l'aventure évidemment. Hein. On va continuer de farmer un petit peu et de se préparer pour affronter le dragon, hein, qui sera l'objectif final du défi. Donc voilà, donc on va continuer tout ça. Alors, les chats, ils sont où? Il y en a un là. Est-ce qu'ils se baladent? Ouais, ils se baladent. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais demander de s'asseoir parce que. Hop là, pour pas qu'ils nous suivent partout. Voilà. Donc voilà, bah du coup avec les shaders, voilà un petit peu ce que ça donne. Moi je trouve ça vraiment très sympa. On va aller voir l'eau juste après. Voilà, donc je vais découvrir plein de trucs, hein, parce que franchement je viens de l'installer à l'instant. Ça fait très longtemps, très très longtemps que j'avais pas installé un shader sur le jeu. Donc voilà, je me suis dit que là on allait se faire un petit peu plaisir. Alors, voilà. Hop, on va aller voir un petit peu l'eau, ce que ça donne. Superbe. Ouais, c'est vraiment super beau. Avec les reflets et tout là. Ça, c'est terrible. Terrible, terrible. Alors, ce que ça fait si on plonge dans l'eau. Ah ouais, mais par contre, c'était sans compter. Ok, il y a un. Bon, alors, du coup, on va. Oh non! C'est la mort. Donc ça, c'est ce qui s'appelle un fail monumental. D'accord, je suis mort comme ça. Ah ouais, alors ça c'est vraiment très laid. Ça c'est vraiment très très laid. Là, je suis mort en un coup de trident. D'un noyé, d'accord. Ok, bon. Et ben voilà, ça c'est un fail, c'est un super fail. Je suis en train de me poser la question. Je sais pas ce que je fais. Est-ce que j'en relance une? Putain, ça c'est vraiment triste. Ça c'est vraiment triste. Salut Dark Shadow. Non, t'arrives pas au mauvais moment du tout. Mais juste, ouais, je viens de me faire tuer par un noyé. C'était pas prévu du tout. J'étais juste en train de découvrir, voilà, la beauté du shader. Et puis voilà. Donc, bah c'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va en relancer une. On va en relancer une sur la même map, parce que j'avais bien kiffé la map. On n'a pas eu le temps de la tester. Donc voilà. Alors, seed, voilà, ce que je vais faire, c'est ça. Tac. Alors, cliquez pour copier, voilà, donc là on va faire ça. Hein. Ça de la copier, ouais, c'est bon. Tac. Et puis bah voilà, on se retrouve tout de suite hein, sur une nouvelle partie. Ah, c'est triste. J'avais fait une belle maison, tout ça, je suis trop deg. Mais c'est le but, enfin c'est le jeu. C'est le jeu, c'est comme ça. On va faire Twitch Hardcore 2, le retour. Voilà. Survie, difficulté. Non, c'est hardcore, voilà. Pouf. Ouais, je compte tuer le dragon. Effectivement, c'est mal barré. Non, mais là, je sais pas ce qui s'est passé.
Alors non, pas dans ce live, non, je vais pas faire un speedrun. Du coup là l'idée c'est de faire des plusieurs épisodes en fait sur voilà, on va quand même prendre son temps. La preuve hein, c'est que là du coup enfin une petite seconde d'inattention et paf, je me suis fait tuer. Donc non, ça va être sur une série d'épisodes. Merci beaucoup Dark Shadow pour ton follow. Merci à toi, c'est hyper cool. Merci de me soutenir dans ce moment très difficile. Ah ouais, ça c'est hardcore. Alors attendez, le monde, voilà, la graine, bam, c'est ici. Structure, oui, évidemment, tout ça. Ouais, merci à toi de ton soutien dans ce moment extrêmement triste. Au bout de même pas 15 minutes de live, c'est moche. J'étais en train de contempler le shader, oh là là, ça c'est. T'inquiète, on est là, bah super. Merci beaucoup, merci à toi. Et bah c'est reparti, bon bah l'avantage c'est qu'on repart sur la même map. Et voilà. Nous revoilà. Toujours avec ce magnifique shader là, avec la brume matinale, visiblement. Ah. Et bah c'est reparti, hein. Donc bah on sait qu'il y a un village là-bas, on va aller l'investir tout de suite, on va se refaire une petite maison, du coup on va peut-être la faire différemment, je sais pas. L'avantage c'est qu'il y a toujours la pyramide là-bas aussi. La jungle qui sera aussi dans le fond. Alors ça, je m'attendais pas du tout à ça ce soir. Je vous avoue que je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu, mais voilà, c'est comme ça. C'est le mode hardcore. Ça pardonne pas. Allez. Et salut les petits villageois. Alors, la question que je me pose du coup, c'est est-ce que le villageois est semblable à celui de la carte précédente ou est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? Donc là, on a toujours un cartographe, on a toujours un golem. Ah, il y a un enfant là. Salut, petit bonhomme. Ouais, ok, donc là, visiblement, il n'y a toujours qu'un seul métier dans le village. Ok, ça roule. Ouais, ça c'est notre cartographe. Là, on a toujours un dromadaire. Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment sensiblement la même génération, hein. Ce qui veut dire que, mince, ce qui veut dire que dans la pyramide, logiquement, on devrait retrouver les mêmes trésors. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être aller un petit peu plus vite que la partie précédente, hein. Bah, à la limite, bon bah vu qu'on vient d'installer le shader, c'est pas plus mal parce que comme ça, au moins, on commence la partie avec le shader. Oh, on a déjà de la ficelle. Ça, c'est cool. Alors, si vous vous posez la question, le shader. Enfin le pack de textures que j'ai installé c'est Faceful. Du coup ce qui fait que déjà les blocs sont un peu plus lisses qu'en temps normal. Et puis voilà, j'ai rajouté un shader par-dessus avec Optifine. Classique. Classique, classique. Donc bah écoutez, on va aller chercher du bois hein, directement. Là l'inconvénient du désert, bah c'est ça, c'est qu'on n'a pas de. On n'a pas de bois, je vais avoir peur d'aller dans l'eau maintenant. Oh. Ah, si je recroise un noyé avec un trident, c'est la catastrophe. Se trouve, il est encore là, le mec, il m'attend. Oh, ah, je suis extrêmement déçu, ouais, c'est clair. Il y aura un noyé avec un trident dans la rivière. Ah non, il y a des noyés par contre. Mais heureusement, ils ont pas de trident. Ah là là, je suis estomaqué de ce qui s'est passé, quoi. C'est extrêmement triste. Allez, on se reprend du bois. Gentiment. Ça va nous donner un petit buisson d'azalée là. Hop. Ça, c'est des planches de chêne, ouais. Est-ce qu'il y en a d'autres? Il me semble qu'il y en avait d'autres des azalées par là. Donc ce soir, l'idée, c'est qu'on va jouer, une petite heure, je pense, une heure ou deux. Une heure et demie, un truc comme ça. On va découvrir la jungle avec le shader. Ça c'est cool. On va tout de suite reprendre du bambou aussi parce que ça c'était quand même important. Bambou, cacao, enfin tout ça quoi. Ouais. Hop, et voilà, petit cacao.
Ouais, je fais d'autres jeux de Minecraft, je fais pas mal de choses d'ailleurs en fait. Je joue pas mal à Phasmophobia en ce moment, surtout qu'ils viennent de sortir une mise à jour assez intéressante. Du Phasmophobia, du Valheim, alors du Valheim je sais pas si je vais en refaire bientôt ou pas, mais en tout cas on vient de faire pas mal de streams dessus. Je dis on parce que j'ai des potes qui jouent avec moi régulièrement. Voilà, et puis ça m'arrive d'inviter aussi les followers à jouer avec moi, donc voilà. À quoi j'ai joué d'autre? Bah après je fais un petit peu de tout, ça dépend de l'humeur, ça dépend de. Ouais, je fais un peu de Fortnite, j'ai fait du Fall, enfin j'ai fait un stream sur Fall Guys, voilà, et puis alors en fait si tu veux j'ai un truc le jeudi soir j'ai lancé le jeu Discover, et c'est un soir du coup où je teste des jeux. Alors soit des jeux récents, soit des jeux un peu plus anciens mais auxquels j'ai jamais joué. Voilà, l'idée c'est vraiment le jeudi, c'est vraiment découvrir et faire découvrir du coup des jeux. Ça peut être des gros jeux ou des petits jeux indés, voilà, sans aucun problème. Donc, alors non, je fais pas de Forza Horizon, j'ai pas encore fait de jeux de voiture. J'y joue un petit peu sur Xbox, mais non, j'ai pas encore fait de stream dessus. Je sais pas si j'en ferai. Peut-être si j'ai des demandes, s'il y a du monde qui me le demande, pourquoi pas, ouais. Parce que toi, tu joues à Forza, tu aimes Forza, c'est ça? Voilà, ça va être bon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va amener des pousses d'arbres chez nous, comme ça on va pouvoir planter un peu d'arbres. Oh, pastèque, bah, c'est bien ça. Impec, on va pouvoir aussi cultiver des pastèques. Très très bien. Alors, ce qui est bien, c'est que finalement on va un peu plus vite que. On va dire que la partie d'avant c'était la partie de chauffe. Ah, et puis là maintenant on va tout donner. On va tout donner. J'aimerais bien choper des pousses. Alors, tac. Ah oui, Valorant. Bah Valorant, j'en ai fait aussi un petit peu. J'ai fait quelques streams dessus et je pense que je vais en refaire. Je pense que je vais en refaire un peu. J'avais fait quelques games assez sympas sur Valo. Ouais. C'était jeu du moment. Et bah très bien. Qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui, je voulais faire tout simplement une petite pioche. Puis une hache, ça sera aussi vite fait. Hop, on réorganise tout ça, la ficelle pour l'instant, j'en ai pas besoin. Voilà. Ouais, on a un serveur Discord, le lien il est sur la chaîne, t'as le petit bouton Discord. Voilà, tu peux t'y connecter si tu veux. Sans souci. Alors moi je voulais essayer de choper lui, je pense que ça peut être pas mal, hein. Par contre je suis pas rendu hein, si je coupe lui. Oh, je me suis pris un cactus. Ah, j'ai même pas fouillé le. Ah, il faut que j'aille fouiller le village parce qu'il y a à manger dans les coffres et tout. Parce qu'il faudrait pas qu'on meure de faim maintenant. Ce serait ballot. Sur le serveur Discord, je suis pas sûr qu'il y ait grand monde là ce soir. C'est les vacances. On va garder de la pastèque pour les cultiver. Ah ouais, il faudrait que je prenne de la terre par contre. Faudrait que je prenne un peu de terre. Vite, vite, vite. Ah, franchement, on va reprendre la même maison qu'on avait sur la partie d'avant. Allez, on y retourne là. Ouais, ça va être la nuit.
On va voir un joli coucher de soleil avec le shader, ça va être superbe. Ça va être superbe. Oh, maintenant vraiment la rivière elle m'angoisse quoi. On prend un petit peu de charbon. On prend un petit peu de pierre aussi d'ailleurs, histoire de nous faire quelques outils et une épée. Ouais, je pense que je vais faire un pont, t'as raison. Je vais essayer de trouver un endroit où, enfin, qui est pas trop large, et puis on va faire un pont, ce sera beaucoup plus prudent. Parce que là, oh, je m'attendais vraiment pas à mourir d'un coup de trident. Alors, je crois qu'il manquait un peu de vie, mais quand même, à ce point-là, oh, il m'a quasi one-shot le type. Oh, c'était vraiment chaud. Je pensais pas en lançant le live que j'allais recréer une partie. Ouais, les tridents, c'est vrai que c'est un peu violent. Ouais. Et ensuite, surtout en hardcore, du coup, ça fait encore plus mal. Donc, ah, ça pourrait être pas mal si on avait un petit silex. Comme ça, si on trouve du fer rapidement, on pourrait se faire un petit briquet. Ça, ça peut être utile. Ça va pas me donner un... Ça va pas me donner un silex hein. Ah si c'est bon. C'est bon, j'en ai un. Allez hop. Allez, on y va, on y va. Oh non mais c'est pas vrai. Y'a un mec à trident derrière moi. Oh la vache. Non mais sérieux quoi. Oh, c'est chaud. Wow. Ah ouais. La lumière du soleil est violente là sur les... Ah non, c'est même pas la lumière du soleil. Ah non, c'est les bougies qui font ça. Enfin, les bougies, les torches. Ah ouais. Bonjour, bonjour. Je me permets, je dors à côté de vous, monsieur. Hein. Mais ouais, mais tellement. C'est le gars de la map d'avant. Il m'a suivi dans cette carte-là. Quoi. C'est un malade. Bon, alors, hop. Donc ça, c'est bien. On a du pain. On a du pain. On a du cactus, c'est super. Alors en fait je sais pas au final, est-ce que je me fabriquer, enfin est-ce que je me construirais pas une maison en fait tout simplement derrière en fait finalement, au lieu d'agrandir celle-là. On s'était fait un peu chier à l'agrandir, mais en réalité déjà on va manger du pain. Tac, je vais planter quelques arbres ici là, ça me paraît bien. Ok, ça marche. Et bah salut, bonne soirée à toi Dark Shadow. Et puis bah tu repasses quand tu veux, avec plaisir. Salut et merci encore pour le follow. Tac. Alors ouais, je vais planter ça là. Il y a les mêmes chats que la partie d'avant. Il faudra que je prenne des... Il faudra que je prenne du poisson. Hop, on va se faire une canne à pêche. Voilà, petite canne à pêche, ça c'est bon. On va se faire une petite pelle. Petite pelle en pierre et on va se faire une épée en pierre aussi. Alors, on va creuser ici, on va se faire la maison ici.
Voilà. Il y avait une araignée là en fait, c'est ça? Elle est où? Elle est là. Oh la vache. Ah oui, du fer. Ah bah du fer, on en avait trouvé dans la pyramide en fait. Est-ce qu'on n'irait pas tout de suite se faire la pyramide? Ça pourrait être pas mal ça. Ça pourrait être pas mal hein, pour l'instant. Se fabriquer une maison. On peut encore attendre un peu. On va se faire la pyramide. Petite grotte là. Hop là. Alors, bah c'est parti. Ouais, j'ai du bois au cas où. Là, je réexplique plus hein, le principe de la pyramide. On l'a vu sur la partie précédente. Alors, je vais juste me faire ça là. On va se faire une pioche en pierre. Ah ouais, par contre là en termes de lumière on n'y voit rien du tout quand on est au fond. Hop voilà, j'ai désactivé le piège. Hop, voilà. Et on se met un peu de lumière, bam! Ah, c'est tout de suite beaucoup plus lumineux. Ça je vais enlever ça là parce que c'est moche. Là ce qu'on va faire c'est que je vais pouvoir supprimer. Voilà, hop! Toutes les TNT. Ça nous permet de les récupérer et on pourra en avoir besoin plus tard. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, bah on a exactement les mêmes choses que la partie précédente. Donc c'est pour ça, autant aller le plus vite possible. Hop, tac. Voilà, on a la selle qui est là. Super. On a de la ficelle. Une armure. Alors, qu'est-ce que je vais laisser là? Je vais laisser... Je vais laisser la chair putréfiée, je pense. Je vais laisser la chair putréfiée. Ouais. Voilà, ça en prend du sable. Ouais. Alors, ouais. Et voilà, hop, des lingots. 5 lingots, mine de rien, c'est pas mal. Oh, la plaque de pression, on peut la laisser là. On s'en fout. Et voilà. Et là, ah, bah non, encore des trucs. Affilage, oui. Ah, le sable, on va en avoir besoin quand même, alors ça m'embête. Ah, le gravier, on peut le laisser là, je pense. Gravier, on va pas en avoir besoin là, tout de suite. Hop, les os, on prend. Bon, l'établi, on peut le laisser là. Tac, voilà. Et œil d'araignée, on en aura d'autres. Et ben voilà! On n'a plus qu'à remonter. On n'a plus qu'à remonter. Bah attendez, en fait, c'est quoi? Les coffres, on va se les prendre aussi.
Et voilà, on prend les coffres. Ça, c'est très très bien. Ça, c'est très très bien. Allez, on est reparti. Voilà, comme ça, la pyramide, c'est fait. Et on retourne au village. On est entouré d'eau en fait. On est entouré d'eau, j'ai l'impression. Alors, ce que je vais faire, c'est que là, je vais poser un coffre dans lequel on va mettre des coffres. Et puis on va mettre tous les trucs un peu précieux là. Hop, on va pouvoir se faire un briquet directement. Ça peut être pratique. Et on va se faire un seau. Et un bouclier. Bouclier, je sais plus comment c'est. Ça doit être ça. Ça. Non. Ça, pas du tout. Alors, on va ouvrir ça. Le bouclier. Ah oui, c'était comme ça. Ça marche. Paf! Et voilà. On va aller chercher de l'eau. On va se faire un puits à côté de la maison. Ah, bim. Là, il y a de... du fer, c'est très bien ça. Alors je sais plus, je crois qu'en creusant j'en avais trouvé d'autres, non? Non, c'était pas ici. Ah bah si, il y en a là. Il y en a là. Ah. Plus que prévu. Voilà, ça c'est bon. Ici il y a du cuivre. Pour l'instant on n'a pas besoin de cuivre. C'est joli les petites grottes là comme ça. Ouais. Au moins ce qui est bien c'est que le village on le voit de loin là. Ça c'est cool. On va se faire un four. Et on va se faire un feu de camp. Waouh, stylé. Le dromadaire avec la lumière de la lune. Hé, trop bien. Excellent. Waouh, le feu de camp, ça éblouit. C'est trop cool. Alors ouais, il faudrait qu'on se fasse un lit en fait, mais bon, non mais on va dormir chez l'habitant. Ah bah il a changé de lit. Ok, admettons. Ah pardon monsieur. J'ai des trucs à faire cuire, je crois. Ouais. Hop, un peu de lapin. On va faire du. Bonjour, monsieur. C'est pourquoi? On peut se faire des échafaudages, ouais. Hop. Et hop. Voilà, comme ça, on a 12 échafaudages. Ça, c'est cool. Faire de la TNT. Hop là, et voilà, on a du lapin. Très bien. Alors, à la base, je voulais faire un puits. Oui, c'est ça, je suis allé chercher de l'eau. Je suis revenu avec du fer et j'ai oublié de prendre l'eau.
Hop. Alors, on va se faire une culture, on va se faire des cultures. Ouh. Là, on se fait un petit champ ici, là. Tac. Voilà, donc là déjà ici, on va y mettre de la terre. Mince. Hop. Tu regardes ce que je fais, toi? Ouais. Bah, je suis en train de préparer des cultures, mon gars. Et hop. C'est vrai que j'ai des fèves de cacao aussi. Ah oui, il me faut une houe. Sinon, ça va pas marcher. Alors, bâton, bâton. Hop. Ouh. Alors c'est vrai qu'il faut que je regarde ça. Ok, bah là il va falloir après qu'on ait plus de fer que ça. Donc les pastèques c'est bon, c'est... Oh non, c'est pas ce que je voulais faire. Ça c'est bon, c'est cultivé, c'est planté. Logiquement le petit trou d'eau qui est ici devrait irriguer les blocs de terre d'ici. Logiquement, ça se passe comme ça. Parce que un bloc d'eau comme ça arrive à irriguer jusqu'à, ça doit être 9 blocs de chaque côté quoi. Donc là, 1, 2, 3, on est pas mal normalement. Et donc là, ici, ah, je voudrais planter du blé, mais en fait, j'en ai pas. Mais alors si, on va aller voir notre ami agriculteur. Normalement, il y a un agriculteur là-bas, un fermier. De l'autre côté du village. Si je dis pas de bêtises, il est où? Pas là, attention à pas tomber. Ah, il a pas été généré lui? Ah! On n'a pas de fermier là? Ça, c'est pas une bonne nouvelle. Ça, c'est pas... Ah si, c'est bon, il est là. Il est là, il est là. Il s'est caché, le petit gars. Ah, il y a des betteraves. C'est bien ça. On va tout de suite en prendre avant qu'il les récolte. Ça, c'est trop une bonne idée, ça. Ouais. Là, on a des betteraves et 3 graines de betteraves. Cool. Ça, c'est top. Ça, c'est top, top, top. Alors... Par contre, est-ce qu'il a que des betteraves, lui? Je ne sais pas. Est-ce qu'il a que des betteraves? Attendez, on va l'aider à cultiver son champ ici, lui. Ça, c'est quoi? Crops. Crops, ouais. Crops, ouais. Mais on sait pas des crops de quoi. Est-ce que c'est du blé? Alors attendez, est-ce qu'on n'a pas... Hop, on va lui donner un petit coup de main. Ah, c'est bon, c'est du blé ça. Parfait, comme ça j'ai des graines. Et voilà. Ok, on va le laisser cultiver gentiment lui. Et nous, on va aller se faire notre petit champ. Une réunion de chômeurs ici. Vous faites quoi? Vous inspectez les travaux, ça? Alors, hop, on va se mettre un petit peu de blé ici, voilà, 1, 2, 3. On va accélérer la pousse. Voilà. Ça c'est bon du coup, c'est poussé là. Attends, poussez-vous messieurs, j'aimerais pas vous taper. Hop, ça on va l'enlever. Voilà.
Et puis voilà, puis comme ça au fur et à mesure, là, on va pouvoir planter. Alors j'ai de la betterave aussi là que je peux planter. J'en ai combien? J'en ai 3. Oh, betterave, ça sert à rien qu'on ait. Ouais, bah de toute façon, j'ai plus qu'une. J'ai plus qu'un bloc de terre pour l'instant. Donc là, de toute façon, on va faire ça et ça. Et on va pouvoir y mettre une petite graine de betterave. Voilà. On a la pastèque qui pousse, hein, gentiment là. Hop. On a le blé, il pousse aussi. Super. Donc ça c'est bon. Ça c'est bon, ça c'est bon. En fait, en réalité, si je fais ça, juste ça, hop, j'ai une petite ouverture. Voilà. Ce qui fait que là je peux. Alors, grès taillé, sable, grès lisse. Ouais. Oh bah ça va par contre. Pas trop de bruit toi. Donc du grès. Et le grès il va falloir le faire cuire. Pour faire du grès lisse. Dalle en grès taillé. Ça me donne ça ou pas? Pas du tout. D'accord. Pousse-toi. Il pot de colle lui, hein. Alors, du grès lisse, et effectivement, comme ça, on va pouvoir quand même agrandir cette maison. On va juste l'agrandir un petit peu. Histoire qu'on puisse mettre nos fours, etc. correctement. Ouais, je vais faire un deuxième four d'ailleurs. Je peux faire des cookies. Hop, on fait des cookies, très bien. Ça, si jamais on trouve un perroquet. Tac, je vais faire cuire mon fer. Dans le principe, il me faudrait plutôt. Ouais, voilà, on va faire un truc comme ça. C'est bien ça comme taille, je pense, déjà dans un premier temps. Et après, on agrandira encore s'il faut. Après, on agrandira encore s'il faut. Grès taillé, non, c'est juste du grès tout court, dalle de grès. Ouais. Ça c'est pour les fenêtres. C'est difficile par contre de se repérer entre les dalles de grès lisse. Alors attends, ah, j'ai plus assez de sable là pour faire du grès, d'accord. On va bientôt se coucher. Après, il faudrait qu'on aille rechercher du charbon. On va déjà mettre les emplacements des fenêtres, du coup. Dalle en grès. Hop, on peut en mettre une là. Pas mal ça, les fenêtres comme ça. On va essayer de respecter l'architecture locale. Oh, ce joli coucher de soleil là. Magnifique. Voilà, la lumière qui se couche dans le village, c'est très beau. Et voilà, on admire ce magnifique coucher de soleil. C'est parti. Oh, j'ai fait n'importe quoi. Et on dort.
Voilà. Ici, on en est où? 1, 2, 3. Voilà, comme ça, on a délimité l'agrandissement qu'on va faire à cette petite maison. C'est très bien. Hop. Ah, ça va prendre forme gentiment, hein. Le grès taillé, ça va nous permettre de faire ça. On va respecter ça aussi. Voilà. Bon, il va nous falloir beaucoup, beaucoup plus de sable. Dans les angles, évidemment, on met ça. Alors, on va partir en mission charbon un peu parce que là, j'en profite, je reprends du sable, un petit monticule de sable là qui sert à rien. Alors, ouais, logiquement, si on va du côté. Si on va du côté de la. Ah, on a un arbre qui a poussé. Ça nous fera du bois à proximité, ça c'est cool. Logiquement, si on va par là, là, on devrait trouver du charbon. Là, du cuivre. Ah ouais, hop, c'est bon. Charbon trouvé. Un gros gisement de charbon. Voilà, c'est un peu long à miner, mais c'est nécessaire. Ah, on boit un petit coup parce que ça donne chaud de miner. Voyons voir. C'est quoi là-bas? Ah voilà, alors ici il y a les coraux. Pour le coup, c'était plus coloré sans les shaders. Par contre, peut-être qu'à l'intérieur, si on plonge. Ah, par contre, là-bas, je me demande si c'est pas une épave de bateau. Il va falloir que j'aille voir ça de plus près. Alors là, on va plonger vite fait dans les coraux. Waouh! Waouh, c'est magnifique. Magnifique. Les coraux là. Oh, waouh. Ça c'est vraiment très beau. Superbe. J'ai vraiment l'impression que c'est un. On va y aller en bateau, je vais pas y aller à la nage parce que. Hein, on va retomber sur nos amis les noyés. Ah, je vais reprendre un peu de terre. J'ai plus de pelle, merde. Merdoum. Merdoum. Bon, on a pas mal de charbon là, du coup on a à 30. Ah, je m'attendais à plus quand même. Je croyais qu'on avait pris plus de charbon que ça. Bon, c'est quand même pas mal.
Boum, boum, du grès. Ah ouais, là, tout le sable que j'avais, ça m'a fait que 6 grès. Ouais, c'est vrai, ok. Forcément. Alors, ici, donc on va remettre une fenêtre ici, pas là. On va remettre une fenêtre ici, pas là. Et une fenêtre là ou pas? Non, ou alors, on fait ça. Et je mets une fenêtre plus grande ici. Comme ça. Ça, c'est peut-être pas mal, ça. Hop, 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 hop. Et ici, pareil. Ah, bah en fait, ici aussi. Mais en fait, on va faire des baies vitrées. Ça va être bien, ça. Ça va être très bien, je crois. Alors, attendez, parce que du coup, est-ce que je ferais pas. Ah, mais avec du grès. Papapapapam. En fait, là, j'ai plus qu'à faire le toit, en fait, finalement. Directement. Comment je fais déjà ça? Du grès taillé là? C'est. En fait, j'ai plein de grès lisse. Ah ouais, bah en même temps, il faut que je remplace le sol. Ceci dit, je pense que je pourrais le faire en grès tout court, hein. On va se refaire des pelles et on va aller chercher du sable à fond. Pelle, pas en fer, merci. Hop, voilà. Ici, ça pousse gentiment, c'est cool. On va aller chercher du sable là où on n'en a pas besoin. Sable là. Faire les murs, faire les fenêtres, faire les vitres. À combien là? On a 64 et 44. Allez, on va essayer avec tout ça déjà. Alors, donc là logiquement je fais du grès et ensuite du grès taillé, voilà. Nickel, du grès taillé, alors il m'en faut combien? Il m'en faut un paquet quand même pour faire tout le toit. On va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, multiplié par 1. Fois 5, 35. Logiquement. Si les calculs sont bons. Si j'en refais. Ben j'en ai pas assez. Faut que j'aille rechercher du sable. Ah, ou alors non, mais ou alors je vais refaire comme j'avais fait un peu sur la partie d'avant. C'est-à-dire qu'on va faire ça. Ah, il m'en manque deux quand même. Ça c'est triste. Ça part vite le sable, hein. Bonjour monsieur. Ça part vite le sable. Là, je reprends un peu pour faire les vitres aussi. Pelle, c'est parfait. Hop. Alors, du grès taillé. Par contre, là, on va peut-être pas en faire autant. Je crois qu'il m'en fallait que deux là. Boum. Et comme ça, ici, on fait un puits de lumière en vert et ça va être magnifique. Ça va être magnifique.
Est-ce que... Est-ce que je me refais des dalles en grès comme ça pour... Pour faire ça? Est-ce que je fais ça? Il m'en manque une à nouveau. Bonjour. Grès taillé, grès. En fait, il m'en faut deux. Là. Ah, pas du tout, c'est pas ça. Un là. Et un là. Ok, on va dormir. Il est arrivé le monsieur? Non, il est pas rentré dormir. Il découche. En même temps, est-ce qu'on a vraiment besoin de cette fenêtre? Oui, on remarque que c'est... ça fait le job. Bon. Il nous refaut une pelle, il nous refaut du sable. Puis après, on va pas faire que de la construction. Hein. Ok, ça devrait suffire. Ça devrait suffire pour ce qu'on a à faire là. Alors, qu'est-ce qu'on avait à faire déjà? Alors déjà oui, il me faut un peu de grès. Pour faire des dalles de grès. Pour fermer ici. Voilà, on n'a qu'à faire ça ici. Et ici, je vais y mettre du verre, je pense. Alors déjà, on va faire cuire du sable encore. Part vite le charbon aussi. Hein. Oula, mais c'est qu'on a faim là par contre. Hop, on va manger un peu de pain. Voilà, c'est tranquille, hein. On n'a pas pris beaucoup de risques pour l'instant. Sur cette partie-là en tout cas. Sur celle d'avant non plus, mais pourtant ça ne nous a pas empêché de mourir. Allez, on fait cuire les vitres. Enfin le sable pour faire des vitres. Hop, on en fait des deux côtés. Oh putain, c'est pas rapide. Hein. C'est pas rapide les fours. Et voilà, boum. Un petit plafond de verre. Ah oui, alors ça c'est pas une bonne idée pour le feu de camp. Lui, on va le bouger du coup. On va le bouger. Paf. On va le bouger. Est-ce que je peux? Je peux pas en refaire là. C'est parce qu'il me manque des bâtons. Ouais, alors, hop, déjà on va faire un bateau pour aller ensuite. Pour aller ensuite voir l'épave là-bas.
Je peux toujours pas faire de feu de camp là. Pourquoi je peux pas faire de feu de camp? Il me manque quoi en fait? Du charbon j'en ai, des bâtons j'en ai. Et des bûches. Des bûches j'en ai. Ah non, j'ai pas assez de bâtons. Oui c'est ça, j'ai pas assez de bâtons. Ok, tac. Là c'est bon normalement. Yes. Hop, comme ça on va pouvoir se refaire le feu de camp. Où est-ce que je vais mettre ça? J'en sais rien. Ici je vais mettre du bambou, le briquet, mes échafaudages, le fer. Ouais, c'est déjà pas mal. Hop. On va aussi mettre le sable, toutes les dalles de sable, voilà. On se fait des vitres. Boum. 16, ça devrait suffire. Et boum. Et voilà. Voilà notre petite extension. Et ah non, presque terminé. Il faut que je remplace ça quand même. Quand même pas vivre sur du sable, hein, ce serait con. On va en avoir plein les orteils après. Hop. Du coup, on va faire du grès. Ah, je me suis trompé. Zut. Bon, le résultat en surface est le même, mais c'est que ça me prend plus de blocs de fer comme ça. Oh, il me manque encore du sable. Oh, ça c'est pénible. Attendez, ici on va se faire une petite. Non, c'est pas comme ça. On va se faire une petite dalle. Hop là, voilà. Beaucoup plus pratique. Et bah, c'est reparti, hein, on va rechercher du sable. Ça part vite, hein, le sable, hein, mine de rien. Pardon, monsieur le dromadaire, je vous dérange pas trop. S'il veut, lui, il veut me parler? Bah, ne me regarde pas comme ça, par contre. Alors, hop, non, pas du tout. Du grès, bam. 8, putain, c'est suffisant ou pas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, il m'en manque 2. Oh, c'est pas possible ça. 7 et 8. Voilà. Là. Et voilà. Ok. Cette fois, l'agrandissement est terminé. Pour l'instant. Après, on verra si on a besoin de plus grand plus tard. Mais bah, déjà, c'est pas mal ça. On a le petit lit là. Hop, on a un coffre là. Non, c'est pas mal d'ailleurs. Hop. Faudrait que ce soit celui-là le mien. Comme ça, je peux ici mettre mes effets personnels. Voilà. On va aller poser. Alors, ça, on va le mettre là. Ça, on va le mettre là, les graines, on va les mettre là, la poudre d'os aussi, betterave, lapin cuit, ça va nous servir à manger. Les cactus, on les plantera. Voilà. Ah oui, je voulais faire aussi un. Je voulais nous faire un puits, un petit puits rapidement. Là, on va se faire un petit puits par là, quelque part là. À moins qu'il y en ait un dans le village, déjà. Il y a un puits ou pas dans le village? Ouais, il y a un puits en fait. Il y a un puits ici. Ah, très bien. Bon, j'ai pas besoin d'en refaire un, c'est juste à côté. On va quand même pas faire les feignants.
Voilà. Et par contre, je vais me poser un feu de camp. Peut-être le poser là, tiens. Et en fait, ce que je vais faire, comme la partie précédente, on va se prendre un petit ballot de paille. Petite botte de foin là. Hop. On va se la poser là. Et le feu de camp au-dessus. Voilà, hein, pour rappel, du coup, la botte de foin sous le feu de camp, ça permet d'avoir de la fumée qui monte beaucoup plus haut. Et ça permet de repérer le village de plus loin. Ça, c'est bien pratique. C'est quoi là? C'est bientôt l'heure de dormir. Donc moi, j'aimerais bien passer la nuit et ensuite, on va voir si c'est une épave là-bas ou pas. Je vais jeter vite fait ma canne à pêche dans l'eau. Essayer de pêcher un peu. Qu'est-ce que ça donne du coup avec le shader là quand on pêche? Je suis assez curieux. C'est curieux de voir ça. Ah, par contre là ça fait quelques artefacts pas très esthétiques dans l'eau là. Et hop, on a un poisson. Très bien. Un poisson, voilà, on finit de pêcher tranquillement avec le coucher de soleil. Hop! Allez. Ça nous fait deux poissons. On pourra comme ça apprivoiser un chat. Il y en a un là. Est-ce qu'il vient le petit chat? Allez, viens. Allez, fais pas le timide. Il veut pas venir. Bon, il se barre, il veut pas. Tant pis pour lui. Hop, c'est ça mon lion, on a dit. Ah, c'est le dromadaire. Putain, je me suis demandé ce que c'était. Voilà. Voilà. Et bah du coup maintenant on va aller explorer. Ah oui! Ah oui mais ça c'est des monstres en fait. Ah ouais. Oh, je les avais pas reconnus. Bon voilà, ça nous fait quelques flèches, c'est bien. C'est impeccable ça. Hop, là il y a une araignée, on va lui prendre son fil. Voilà, très bien. Deux petites ficelles. On va mettre le bateau à l'eau. Et c'est parti. Alors, qu'est-ce que c'est là-bas? Est-ce que c'est une épave ou est-ce que c'est une île en fait? C'est peut-être qu'une île, hein. Ça a l'air bien arrondi quand même. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est marrant cette île là toute plate. Ouais, c'est une épave de bateau, je crois. Hein. Ouais, cool. Une épave de bateau comme ça à la surface, c'est trop bien. Et bah ça, c'est trop bien ça. Épave de bateau. Voilà, qui est couché sur le flanc. Bah ça, c'est terrible. Terrible, terrible. Hop, bah voilà, on a déjà un coffre ici en plus. Je peux pas l'ouvrir. Ok. Je peux pas l'ouvrir. Oh! D'accord. Ça y est, c'était un bug. Quelques plumes et une carte au trésor. Ah, là on est couillonné par contre. Sortir de l'autre côté. Ouais, hop là. Ok. Je pense qu'il doit y avoir d'autres coffres là-dedans.
juste là. Ah oui, magnifique ça. Magnifique, on va pouvoir faire du commerce avec les villageois. Trouver pas mal d'émeraudes là. Plus rien. Sors de là, on va essayer de pas se noyer, hein. Ça serait dommage. Hop, on en a un autre là. Ouais. Oh, carottes, génial. Ah, des carottes. Oula, c'est quoi ce bruit là? Il y a eu un bruit vraiment chelou. J'ai jamais entendu. Et des pommes de terre, mais super ça. Ça c'est nickel, ça on s'en fout. Bloc de mousse. Ouais bah si tu veux, bloc de mousse. Attention à la respiration. Voilà, on a eu 3 coffres. Je pense qu'on a fait le tour là. Là y a rien. Là, lui on l'a déjà eu. Bah voilà, pas mal. Et bah pas mal du tout. Ah, je suis content là, ouais. On a 7 émeraudes, du lapis lazuli, des carottes, des pommes de terre. On va pouvoir cultiver tout ce qu'on veut. C'était quoi ça? Ça c'est quoi là-bas? On dirait un bâtiment. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh, il y a encore des coraux en dessous là. C'est très très beau. Oh putain. Ouais. Il y a un monument. Forcément, qui dit monument dit noyer. Il doit y avoir du trésor là-dedans aussi, hein, mais bon, là j'ai pas envie de m'y risquer. Voilà, j'ai déjà eu affaire à eux. Ça nous a coûté une partie. Donc merci, mais non merci. J'en profite un peu pour explorer les alentours là. Qu'est-ce qu'on a là? On a... C'est une plaine ça? Ouais. Ça c'est une plaine. Oh, des tortues! Trop bien! Ici il y a une plage de tortues, c'est bon à savoir. Oh ouais, il y a full tortue là. Plein de tortues, c'est trop bien. Ah, il y a des chevaux. Ici, il y a des chevaux. C'est bon à savoir aussi. Parce que du coup, j'ai une selle. On va pouvoir aller venir chercher un cheval. Ok. Et bah, ok. Ça c'est la jungle de tout à l'heure. Oh, un dauphin qui vient de sauter là-bas, c'était cool. Plein de tortues en fait, j'ai l'impression, dans l'eau là.
Ok, alors. Donc ça c'est fait. Alors on a une carte au trésor quand même. On a une carte au trésor qu'il faudrait peut-être checker. J'ai pas du tout regardé. On va peut-être se faire un coffre de bouffe maintenant. On va commencer à être pas mal équipé en bouffe. Patate, carotte. Lapin. Mais lapin on va le garder. Le blé, ok, on le met là. Et du coup, ce qui est cool, c'est qu'on va pouvoir commencer à faire du commerce. On a 8 lingots de fer. A des blocs de mousse, je sais plus vraiment à quoi ça sert. Ok. Et puis, bah, à un moment donné, il va falloir surtout aller miner, hein. Là, je pense qu'on va pas y aller aujourd'hui. Là, du coup, bah, aujourd'hui, ça nous a permis surtout de recréer la partie et de relancer le truc. Mais je pense que la prochaine, du coup, le prochain stream sera consacré au minage, du coup, et on va aller explorer un peu les profondeurs pour trouver des minerais puis bah, commencer à s'équiper correctement pour aller affronter l'Ender Dragon. C'est un peu l'objectif. C'est l'objectif en espérant que cette fois on va pas mourir d'un trident comme ça, d'un coup sec. Il y a des pilleurs aussi là-bas qu'on pourrait aller voir parce que si ça se trouve ils renferment des halets. Et les halets c'est des petites créatures qui nous permettent de récolter les ressources plus vite. Donc ça c'est quand même intéressant. Là, je vais ranger ce coffre-là. Voilà. J'ai replanté mes graines là-bas? Oui. Ok. Ce qui fait que je vais pouvoir. Ah, mais non, j'ai plus de terre. Hein. Ça, c'est ça qui est pénible. Faudrait que je ramène de la terre encore pour grandir les champs. Ok. Bon. Alors là, c'est la fin de la journée. Et ben, moi, je propose une dernière journée. Une dernière journée. Et ensuite on arrêtera le stream de ce soir là-dessus. Donc là on va passer la nuit et on va essayer de peut-être consacrer le jour qui arrive à la création de métiers dans le village. Parce que là pour l'instant il y a très peu de métiers et c'est pas très pratique. J'aimerais bien peut-être un forgeron ou. Alors attendez, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire un métier à tisser, ouais, ça m'intéresse pas beaucoup. Métier à tisser, ça m'intéresse pas. Est-ce qu'on peut pas faire. Ah, non, bah table de cartographie, on a déjà une. Moi j'aimerais bien un truc de. Une table d'archerie, ça serait pas mal ça. Alors là, y a un tonneau pour la pêche, ouais, ce qui peut être. Ah bah c'est là. Table d'archerie. Ah il me faut deux silex. Ah j'en ai qu'un. J'en ai qu'un. On peut faire du ragoût de lapin si on veut. Faudrait que j'aille voir s'il y a des abeilles quelque part. Pour nous faire de la cire. Une table de forge, ouais, ça peut être pas mal une table de forge. Ça je peux le faire. Alors on va faire ça, tiens, on va faire un petit forgeron. Hop, on va consacrer deux lingots de fer à ça. Petite table de forge. Hop, voilà. Donc là déjà, bah, c'est la nuit, on va dormir. Bonjour monsieur, ça y est, il est revenu lui. Hop. Alors, petit déjeuner, on mange du pain. Boum. Et alors, bah, la forge, hein, pareil, on va la remettre au même endroit que la dernière fois. Alors, c'était où le plus. C'est quoi ici? Eux, ils discutent. Pardon, je vous ai dérangé peut-être. Qu'est-ce qu'on a là-haut? Il y a des choses là-haut? Ah oui, c'est vrai, c'est la tour. Ah, mais oui, mais c'est vrai qu'il y a un coffre ici. Hop, encore avec du pain et du blé et une émeraude. Ça, c'est bien ça. Ça c'est très très bien. Bon, alors ça me dit pas effectivement où je mets ma forge, mais
Alors, la forge, donc ça c'est notre maison à nous. Hop. Non, ça ressemble pas à une forge. Ah, on a deux golems. On a deux golems. Ah bah ici ça ressemble à une forge, ouais. Ah bah c'était ici que je l'avais fait d'ailleurs. Bah hop, boum. Alors, qui va venir travailler à la forge? Oh, on a un gagnant. Et voilà, merci. Bonjour monsieur. Forgeron qui vend des haches et des pioches. Notre fermier, il fait quoi d'ailleurs? Il nous vend du pain. Mais on va pouvoir lui vendre des carottes. Et ça, c'est cool. Je lui achèterais bien du pain d'ailleurs. Toutes mes émeraudes là. Hop. 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 Allez. On va pas y arriver. Allez. Le grognement du dromadaire à chaque fois, il me fait me poser des questions. Je sais pas si c'est un. C'est gentil ou pas. Table d'archerie, on a dit qu'il fallait quoi? Ah, il me fallait deux silex. Je crois que c'était ça le délire. Hein. Tiens, j'ai vu qu'on pouvait faire une arbalète là. Il nous manque un crochet. Table d'archerie, c'est où? C'est là. Quatre planches et deux silex. Bon, on va essayer d'aller chercher du silex. On va essayer d'aller rechercher du silex. Ah puis attendez, on va regarder la carte aussi quand même. Mais non, c'était pas une carte de trésor enfoui en fait, c'était une carte vierge. Ah, d'accord. Bon. Hey, salut Newty. Comment tu vas? T'es en vacances, je crois. Ça va, ça va, ça va. Tu vois là on est sur le mode hardcore de Minecraft comme l'autre jour. Sauf qu'il y a des petits changements parce que bah finalement je me suis fait tuer. Je me suis fait tuer donc j'ai dû recommencer la map. Et puis bah j'ai installé un shader voilà pour que ce soit un peu plus agréable à l'œil. Voilà. Ouais, oh des chichis, ça alors, ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé de chichis. Ça, effectivement, c'est un peu le truc des vacances. Tu fais un marché nocturne et des chichis. Qu'est-ce que je voulais faire, moi? Ah oui, aller chercher des silex. Du coup, on va aller chercher le bateau. Normalement, il y a du gravier par ici, je crois. C'était pas là? Non, c'était pas par là. C'en est pas ça. Mince, c'était où? As-tu trouvé sur Minecraft pour donc? As-tu trouvé sur Minecraft pour donc décontenancer? Ah, je comprends pas. Ah oui, pour le timer. Ouais, j'ai regardé un petit peu. En fait, le truc, c'est que j'ai trouvé des mods à installer sur Minecraft, mais pour compter le nombre de jours en jeu. Mais ils sont pas à jour. Ils sont pas à la bonne version du jeu. Donc, il faut attendre qu'ils soient à jour pour pouvoir les installer. Donc, voilà, c'est pas grave. En attendant, on fait 100. Et ben voilà, j'ai mes deux silex. C'est parfait, ça. Hop. Oula, c'est dangereux ça. C'est dangereux, c'est dangereux. Le correcteur, ouais, en général, ça fait pas ce qu'on veut. C'est capricieux ces bêtes-là.
Ah ouais, est-ce que vous avez du soleil là où vous êtes en vacances? Hop, alors une table de carte de table d'archerie, boum. Voilà, et ça on va mettre ça. Mettre ça là, non, ils peuvent pas monter en fait si je fais ça. Ah ouais, 35 degrés, ça pique un peu, ouais. Ouais, ça c'est pas ouf. Table d'archerie, je vais mettre ça où? Mettre ça là. En attendant, on verra. Ma box a grillé. Ah bah ça alors. Ça c'est pas cool ça. Et hop là, on a un vendeur, un fléchier. Et ben voilà, qui nous vend des flèches. Ça, c'est magnifique. Donc, ils ont été obligés de la renvoyer. Et ouais. Ah, bah ouais, une box qui crame. Effectivement. Quand ça marche plus, tu peux plus en faire grand-chose. Effectivement. Je vais couper ces arbres-là. Parce que vous avez emmené votre box en vacances, c'est ça? Ok, ça pousse gentiment. On a du blé qui pousse, très bien. Tac, tac. On a des graines, si on trouve des poules, ça pourrait être pratique. Il y a des orages chez moi, la box a cramé, donc je sais pas s'ils vont essayer de la réparer ou redonner la même ou une au-dessus. Car elle se fait vieille. Ah oui, c'est chez tes parents, ça, d'accord. Ah, réunion du village. Qu'est-ce qu'ils nous font? Ils nous préparent un mauvais coup. Oh ouais, il faut qu'on cultive des carottes pour lui vendre des carottes à lui. Est-ce qu'on a le temps d'aller vite fait chercher de la terre? Oui, ça me paraît correct. Tiens, surtout qu'il y en a là-bas. Il y en a juste là-bas de la terre. Je viens de voir ça. Donc ça c'est parfait. Et comme ça voilà, la journée va se terminer tranquillement et on va terminer le stream là-dessus. Voilà, donc là c'est encore que les préparatifs, hein, donc il n'y a pas encore beaucoup 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 d'action. Et surtout que là on a été plus prudent que la partie d'avant. Mais voilà, prochaine session. On attaque les grottes, les mines. On va aller en sous-sol pour trouver des minerais et pour commencer à s'équiper sérieusement pour affronter l'Ender Dragon. Il va falloir à un moment donné qu'on aille dans le Nether aussi. Donc ça sera, je pense, la troisième partie. Troisième partie, on ira dans le Nether pour essayer de trouver une forteresse. De CSGO. Ah ouais. Finale de CSGO, je savais même pas que c'était ce soir. Allez, je prends un peu de cuivre, ça pourrait nous être utile à un moment donné. Ah mais t'as parié, t'as parié sur le gagnant de CSGO. Bah j'hésite, ouais, j'hésitais à me faire du CSGO, j'en ai fait beaucoup pendant un moment. Oh, une pomme, tac. J'ai fait beaucoup de CSGO pendant un moment et ouais, tu penses que ça attire du monde? Tu penses qu'il y a pas mal de monde qui est chaud pour regarder du... Bah attendez, on va faire un truc, parce qu'en fait ici, ça c'est pas intéressant. Hop, ça me fait quand même 2. Ça fait 1-1 pour
Team Vitality, ça fait 1-1 et là, ils sont à 9-7. Ok. Ah ouais, bah c'est cool ça. C'est cool, c'est cool. Bah écoute, vas-y, hein, carrément. Carrément, moi je suis chaud sur CSGO. Alors. Voilà, je travaille de nuit là, ça c'est vraiment pas une bonne idée. Éclairé à la lumière de la lune. Ah bah écoute, je te le souhaite. Je te le souhaite. J'espère que ton pari sera gagnant. Tu paries sur quelle plateforme quand c'est comme ça? Je savais pas en fait qu'on pouvait parier sur. Sur le e-sport comme ça. Enfin, c'est vrai que ça paraît logique, mais. Tu paries sur quoi toi du coup? Ça 5, 6, 7, 8, 9. Hop, hop. Par contre, faut que j'arrive à débloquer un truc pour pouvoir afficher l'écran de CSGO sur OBS. Oh, oula, ça y est, du monstre là. Je fais un petit tour autour de moi pour voir s'il était seul sur YoniBet. Ok. C'est dangereux, hein, travailler la nuit. Là, ça fait 4 jours que j'ai repris, j'ai gagné plus de 6000 euros. 6000 euros? C'est ton correcteur qui s'est trompé ou. Parce que 6000 euros, c'est énorme. Si t'as gagné ça en pari, bah, félicitations. C'est beau. Continue. Continue, continue. Ah ouais. Eh bien. Bah, tu vas pouvoir t'acheter du stuff pour ton setup de stream du coup. Alors, il faut que je mette mes carottes là-dedans. Ah, là visiblement ça irrigue plus. Donc là on va faire ça. On va se remettre un petit seau d'eau ici. Hop, hop. Et du coup, les carottes. Putain, la lumière est violente. Hein. Je sais pas si c'est un petit réglage peut-être à faire sur Optifine ou sur le shader, mais ah, c'est vrai que du coup la lumière elle est hyper violente quand on a une petite torche comme ça. Je pense que je peux peut-être le baisser un peu pour que ce soit plus réaliste. Moi je voulais planter des carottes. Hop. Bah écoute, je te le souhaite, hein. Je te le souhaite vraiment de gagner ton pari et de gagner tout ça. Ce serait cool pour toi. Hop là. Ouais. Oh là, il y a le golem qui se bat là-bas. Ouais, non mais. Même pour le bien. Pour la santé des villageois, il faut vraiment que je dorme pour pas qu'ils se fassent agresser la nuit là. Le petit chat et le dromadaire qui se baladent ensemble. Et puis voilà, et puis bah écoutez, bah nous on va s'arrêter là-dessus. Hein, sur cette belle jolie petite maison qu'on a reconstruite du coup. Voilà, donc prochaine session là en début de semaine, je vais voir quand ce sera. On attaquera les mines. On va essayer d'aller miner un peu pour trouver plus de minerais. Il faut faire qu'on trouve du diamant pour s'équiper correctement.
Et puis il va falloir qu'on commence aussi à avoir un peu d'enchantement. Donc on va peut-être aussi à un moment donné faire une session pêche pour essayer d'avoir des livres d'enchantement. Voilà, donc voilà. En tout cas, prochaine session, on va dans les mines, dans les sous-sols. Et ça va être un peu flippant. Ça va être risqué. Donc faudrait être très très prudent. Et puis la fois d'après, la troisième partie, je pense qu'on ira dans le Nether si on est toujours en vie. Voilà. Donc en tout cas sur ce, moi je vous souhaite une très bonne soirée. Merci Newty d'être passé. Effectivement, t'es passé un petit peu à la fin du stream. Mais tu pourras revoir le début du stream. Tu verras le début, c'était un peu chaotique. Tu comprendras pourquoi j'ai recommencé la partie. Et puis voilà, et puis bah du coup en tout cas passe de bonnes vacances. Courage pour tes paris. Et puis bah merci, merci à tous, merci aux autres aussi d'être venus sur ce stream ce soir. Merci à ceux qui regarderont le replay. Surtout n'oubliez pas de vous abonner ou de, enfin de follow en tout cas la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et puis bah moi je vous dis à très très bientôt. Allez, bonne soirée, portez-vous bien, ciao.